Voilà, nous sommes en compagnie de Nelson Nawizi, défenseur des RCWI. Nelson, un petit mot tout d'abord sur cette rencontre. On se faisait la réflexion vers la 65e, 70e, qu'il ne se passait plus grand chose. Et pour finir, une fin de match tonitruant du RCWI. C'est vrai, on a été fort embêté par leur jeu aérien. On a commis quand même pas mal de fautes, donc pas mal de phases arrêtées. Donc voilà, on devait absolument garder le filet inviolé en deuxième temps. Et on a fini par émerger physiquement en fin de match. Ah ouais. Concernant ton but, ben voilà, tu files droit vers le but, un petit peu de sang-froid pour aller la placer hors de portée. Oui, ben voilà, je suis en récup. On renvoie la balle et je vois que si Damien me la met, ben, je suis seul en fait, donc j'y vais et je vais jusqu'au bout, voilà. Ben ouais. Donc ton dernier but, remonté à un petit moment déjà. Ouais, ça datait de la saison dernière contre Lyon aussi, je crois. Ouais. On a gagné, donc. Ça va faire du bien au moral aussi, ça peut être de trouver l'ouverture, même si c'est pas ta fonction première, évidemment. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien moralement. J'ai traversé des moments un peu plus difficiles, donc voilà. On n'a jamais baissé les bras, et c'est sûr que me fait plaisir, et va me faire du bien pour la suite. Au vu de la victoire de Hasselt, il fallait absolument gagner aujourd'hui. Bah, c'est chose faite, de belle manière dans les chiffres, en tout cas, 4 ans continués. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr que... En gagnant encore aujourd'hui, ben on était avant-dernier, donc c'est malheureux. Voilà, même avec la victoire, ben on n'en continue pas. Donc voilà, il faut redescendre les pieds sur terre le plus rapidement possible et engranger le maximum de points dans les matchs. Bon, après le partage au Tivoli, en tout cas 2014 démarre bien quand même pour vous. Ouais, voilà, ben on montre qu'on est là, qu'on lâchera rien. Voilà, on va se battre jusqu'au bout pour sauver notre place en division 3. Il faudra jouer chaque match à fond, comme aujourd'hui. Merci.